bac avec mention bien et je suis assez fière de moi parce que je pensais pas du tout avoir une mention de base, en tout cas pas cette mention là. Donc je suis très contente et très heureuse. J'ai eu la mention bien au bac. Oui, je suis content, je m'attendais pas que je vais avoir la mention bien. Je comptais avoir au moins assez bien, mais là vraiment je suis très content. Je viens de passer mon bac avec une mention très bien, c'est une bonne surprise. Je l'ai eu avec mention bien et je l'ai eu en admin. Je pensais l'avoir peut-être avec mention très bien, mais je pense que pour entourage, je m'attendais un peu à ce que ça soit mal passé. Bah, voilà, mais je suis assez contente quand même. Et pour ma part, je m'attendais à avoir la mention bien parce que j'avais une mention à l'année, mais les épreuves ne sont pas déroulées. Et j'ai eu la mention bien. Enfin, ça va, c'est plutôt pas mal. On aurait aimé taper plus haut, mais c'est un peu compliqué avec cette année, vu que tout est dans le contrôle continu, il n'y a pas vraiment d'épreuves. C'est un peu complexe. Après, les deux épreuves qu'on a passées, les profs de physique, c'était ok, classique. Le grand oral, c'était un peu nouveau. Enfin, un oral, quoi, c'est pas vraiment comme celui du brevet. Hein. Ça change pas mal. Là, les profs ont vraiment des questions. En tout cas, mon examinateur a vraiment essayé de creuser quoi, dans les détails et dans les choses. Bon, c'était pas toujours super sympa. J'ai eu quelques questions d'étymologie. Bon, voilà. Sinon, ouais, sur le 2, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu mention assez bien, ce qui n'est pas très étonnant. J'avais calculé et avec le contrôle continu, voilà. J'avais déjà une vague idée de ce que j'allais avoir. J'ai déjà été accepté à Carnot. Un BTS optique en alternance. J'espère aller en BTS profession immobilière l'année prochaine. Moi je pense que je vais me diriger vers une école de langue parce qu'avec le bac, etc., on réfléchit, on pense un peu à notre avenir, etc. Et moi je me suis rendu compte que le DUT, c'est pas trop ce que je voulais faire. Du coup, je vais reprendre une école de langue parce que c'est ce que j'aime bien. Je pars en passe, en première année d'études de santé pour ensuite faire mes études et voilà, je pars juste en fac à la Sorbonne. J'ai tenté une prépa MPSI, donc maths physique sciences de l'ingénieur, et j'espère réussir. La prochaine, je vais faire une licence de droit.